Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Donc ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc pendant le confinement, je crois que j'ai tourné une seule vidéo, je m'en excuse vraiment. Voilà, aujourd'hui, comme vous l'aurez fait dans le titre, on se retrouve pour que je vous montre un haul, que je vous montre tout ce que j'ai acheté. Hier, on est allé faire les boutiques. Enfin, depuis le confinement, j'étais pas déconfinement, j'étais pas retournée. Donc je suis allée à Kaby, à Action, Sephora et Jennifer. Bon, Jennifer, c'est pas pour moi, bien évidemment, c'est pour des cadeaux, mais bref. Donc je veux commencer par Action, voilà, parce que c'est certainement ce qui vous intéresse le plus. C'est parti! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Voilà tout ce que j'ai acheté Action dans ce petit sac. Donc c'est un sac réutilisable, c'est ma mère qui l'a pris. Et ça c'est vraiment cool, comme ça on peut le laisser dans la voiture et l'avoir à chaque fois. Donc voilà, c'est parti. Du coup, j'ai le petit ticket. Du coup, je vais faire dans l'ordre du ticket. Comme ça, ce sera plus facile pour vous dire les prix et tout. Ou aussi, je voulais vous dire, il y a des produits qui sont pas pour moi. Ils sont pour une amie, je sais, pour des cadeaux d'anniversaire. Car son anniversaire, c'est le 3 juillet. Mais comme je sais qu'elle va forcément regarder cette vidéo, je vais lui dire, je vais pas dire ce qui est à elle ou ce qui est à elle ou ce qui est pas pour elle. Voilà. Et à la fin, il y a des vêtements, je l'inviterai à ne pas regarder. Du coup, en premier, j'ai pris ce lot de rouge à lèvres. Il y a un rose et un rouge. Du coup, c'est la teinte 303 Dessert Kiss et la teinte 317 Scarlet Red. Donc c'est vraiment deux teintes super belles, j'adore. Pour l'été et tout, ça va être parfait. Et du coup, j'avais oublié. Du coup, le lot de deux m'a coûté 95 centimes. Donc c'est vraiment pas cher, 95 centimes de rouge à lèvres. Vraiment, vraiment pas cher. Je suis désolée si cette vidéo dure trop longtemps, mais il y a beaucoup de choses à vous montrer. Du coup, ensuite j'ai acheté ce lot de trois crayons. Noir, vous voyez, je l'ai déjà ouvert, c'est le seul produit que j'ai déjà ouvert. Voilà, je voulais tester hier. Du coup, je l'ai acheté ça pour vous faire une vidéo, justement. Voilà, vous verrez ce que c'est. Par contre, c'est pour faire un tuto make-up, mais vous verrez. Je vais pas vous en dire plus. Il me manque encore un produit pour pouvoir la tourner, donc vous l'aurez d'ici un mois. Voilà, et ça ne coûtait pas très cher, il me semble. 95 centimes et 3, donc c'est vraiment pas cher. En ce moment, j'ai tout rangé mon maquillage. Vous voyez, deuxième étage, là. Voilà. Et en gros, je range chaque truc par trousse. Du coup, j'avais la trousse pour sourcils, mascara, enfin, j'avais des trousses. Et il me manquait une grande trousse pour mettre mes produits pour le visage. Du coup, voilà. J'ai acheté cette trousse, je la trouvais super belle. Elle était super belle. Elle est toujours super belle d'ailleurs. Et voilà. Et en plus, elle est hyper grande, donc je pourrais tout mettre parce que j'ai beaucoup de produits. Et du coup, elle m'a coûté 1,59€. Donc franchement, je suis grave contente. C'est vraiment, vraiment pas cher. Du coup, en septembre, je redéménage pour mes études. Et en gros, je vais vivre avec une amie à moi. Et du coup, je dirais pas avec ma soeur, du coup, il va falloir qu'on se partage les assiettes, les machins et tout. Du coup, il me restera plus grand chose entre guillemets. Donc, je me suis repris deux assiettes. Voilà, elles sont en plastique. Comme ça, je ne les casse pas pendant le déménagement. Parce que, vrai boulet, quand on a refait le déménagement cette année, on a tout mis comme ça, on les a même pas emballés. Donc, j'ai peur que tout se casse. Donc, voilà, on a deux assiettes pour manger. Du coup, c'est des assiettes en plastique. Donc c'est pas top, on va dire, c'est en plastique parce que du coup ça passe pas au micro-ondes ni au lave-vaisselle. Mais bon, je suis étudiante donc j'ai pas de lave-vaisselle, donc c'est pas grave. Ça passe pas au micro-ondes mais ça sera parfait pour des salades ou autre. Du coup il y en a deux et ça coûtait 99 centimes l'unité. Donc franchement c'est pas cher et je pense que je m'en reprendrai.
Ensuite, comme ça va être l'été, c'est bien de mettre des vernis sur les ongles. Et j'ai vu ceci. Il y en a quatre et genre ce sont des couleurs super sympas pour l'été. Un bleu, un rouge, un violet et un rose. Donc pour l'été, c'est vraiment des couleurs sympatoches. Et ça pour quatre vernis, ça coûte 99 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Et je suis grave contente, tout simplement. Donc il faut savoir que chez Action, ils font des marques niveau make-up. Par exemple, ils ont du NYX et tout. Et là, j'ai acheté un rouge à lèvres NYX, comme ceci. Donc c'est un nude. Vous allez voir, j'ai acheté beaucoup de nude. Enfin, j'ai acheté deux nudes chez Action et un nude chez Sephora. Voilà, pour l'été, j'aime beaucoup. Comme ça, on peut faire des maquillages plus travaillés sur les yeux. Parce que j'adore l'été faire des maquillages travaillés sur les yeux. Et mettre une petite touche sur les lèvres, mais qui reste très discrète. Donc voilà, cette couleur, je la trouvais sympathique. Du coup, c'est 2,49 € le rouge à lèvres. Pour du NYX, ça va, franchement, je trouve ça pas super cher. Donc vous pouvez foncer. En termes de couleurs, il y avait des nudes et des marrons. Voilà, du coup, il n'y a pas vraiment des couleurs super, super. Mais au moins, ça vous permet de pouvoir acheter de la marque. Moi qui adore les gloss, j'ai acheté un gloss rouge, mais il est vraiment magnifique, genre en forme de rose. Vraiment, j'ai trop, trop kiffé. J'espère qu'ils feront du coup plusieurs couleurs. Comme ça, je pourrais acheter un pot et les positionner dedans. Ça peut faire grave, grave beau. Voilà, je me vois déjà, mais il n'y avait que cette couleur. Donc voilà, je vous montre mieux, mais trop, trop beau. Et ça coûtait 99 centimes et il y a 4,5 ml à l'intérieur, donc c'est pas mal comme quantité. Les produits, je les ai pas testés, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo pour que je vous dise ce que j'en ai pensé et que je teste devant vous éventuellement. Ensuite, j'ai acheté un lot de boucles d'oreilles parce que j'aimerais vous faire des lookbooks printemps-été, et en gros j'aimerais bien accessoiriser avec des boucles d'oreilles. Et j'ai vu ce lot très sympa. Bon, ils sont un peu emmêlés, mais voilà, avec des perles tout simplement. Et du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 perles, donc 2,49 €. Donc j'ai foncé directement parce que je les ai trouvées super belles et ça ira très bien avec mes tenues. Et je pense bien les porter cet été, par exemple celle-ci en mode coquillage avec des perles, trop beau cet été pour aller à la plage et tout, c'est pas mal. Bon, après faut pas se baigner avec parce que ça va vite rouiller, mais voilà. Je me suis trompée, celui de boucle d'oreille ne coûte pas 2,49 € mais 2,69 €, mais c'est quand même pas cher. Il faut savoir que j'ai un sérum à la bave d'escargot. Voilà, ça peut dégoûter les gens de dire bave d'escargot, mais moi j'aime beaucoup. Du coup, je me suis pris un masque à la bave d'escargot. Donc, il est hyper grand, il fait 150 ml. Et j'aimais bien la bouteille, l'effet argenté ici. Et puis, que ce soit une pomme, c'est vraiment bien. Donc, le masque, il va me durer longtemps, j'en suis sûre. Et il coûtait 1,89 €. Donc, 1,89 € les 150 ml. C'est vraiment pas cher. Du coup, j'ai foncé, mais vraiment. Et je pense que la prochaine fois, je m'achèterai d'autres produits de la gamme bave d'escargot parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Du coup, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que je suis fan de bains. J'adore faire les bains. D'ailleurs, vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Je vous mettrai en barre d'infos mon Instagram. Voilà. Comme ça, vous vous en saurez plus sur ma vie. Et vous pouvez me suivre aussi sur TikTok, j'ai déjà montré mes bombes de bain et tout, enfin, quand je les fais et tout, donc c'est grave bien, j'adore regarder ce genre de vidéos. Et du coup, je me suis acheté ça pour le bain, c'est des Cracking Bath 5 Green, donc vert, et en gros c'est censé pétiller, donc il me donne vraiment de tester. Je vous partagerai ça sur Insta ou TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je sais pas si je l'ai dit, je crois pas. Ça coûte 99 centimes, donc c'est vraiment pas cher. Il y a 60 grammes, donc voilà, je pense que je vais l'utiliser en deux fois parce que 60 grammes c'est quand même beaucoup. Donc voilà. Ensuite, je pense que vous toutes,
Vous avez beaucoup de bougies, franchement, les filles, les bougies, c'est trop la vie. Voilà, en allumer de temps en temps, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai acheté ce petit lot. Il y en a trois avec des espèces de fleurs de palmier. Enfin, voilà. En fait, ce motif, je l'ai pris sur ma trousse, sur mes assiettes, partout. Ici, il y a des détails dorés. Et ici, pareil, avec les espèces de feuilles. Et je sais pas quel animal c'est. Et j'aime trop ces couleurs-là. Donc, c'est parfait. Et ceci m'a coûté 1,99€. Donc, 1,99€. Les trois bougies, c'est pas cher. Et c'est sympa aussi à offrir. Si ça vous donner une petite idée cadeau. Désolée, j'ai du mal à parler. La dernière fois, à Action, dans Je vois, j'avais acheté ça. Pareil, avec des imprimés feuilles. Voilà, ils sont un peu salis d'ailleurs. Les trois là, je les ai toujours pas accrochés au plafond parce qu'il faut les accrocher avec des espèces d'accroches bizarres. Du coup, voilà, on est en train de voir comment on va pouvoir accrocher ça. Mais il me semble peut-être que ça va coûter 1,99€ aussi. Il y en a trois. Et j'en ai trois noirs là. Du coup, ils sont dans ma chambre. Je les ai toujours pas positionnés. Et il y a ces trois là. Donc j'adore. Et ce genre de motif, j'aime vraiment beaucoup. C'était juste pour vous dire que les motifs comme ça, j'adore. Surtout pour l'été, c'est vraiment trop beau. Bon, j'aime beaucoup la marque Biphase, je sais pas si vous connaissez. Personnellement, j'avais testé que un petit huit à la kératine, pour les cheveux, et ça marche vraiment beaucoup bien. Genre dès que j'en mets, ça me les lisse bien et je viens terminer un peu avec le lisseur et ça me prend 2 minutes et c'est vraiment super. Et au moins ça permet de ne pas abîmer mes cheveux au lisseur. Et en gros, je voulais me racheter ça. En gros, à chaque fois je dis en gros, je voulais me racheter ça, mais ça n'y était plus. Donc voilà, j'ai acheté le shampoing de la même gamme à la kératine. Bon, je vais vous le montrer. Hop, du coup, shampoing à la kératine, Sublime Protect, anti-dessèchement, brillance, nutrition. Donc ma copine Océane, donc ça va être son anniversaire, m'en a beaucoup parlé, m'a dit que c'était super et elle utilise aussi le pchit pour les cheveux. Donc je pense que ça en complément ça peut être bien, mais je suis grave dégoûtée parce que j'ai presque plus de brume, donc il va falloir que je retourne à Action rapidement. Et du coup ceci m'a coûté 1,99€ aussi. Et du coup, ce que je voulais vous montrer de base, c'est ce masque à l'argile, détox, biphase, anti-pollution, unifiant et rénovateur. Voilà, je trouve que le packaging, il est simple, il est blanc rose, j'aime beaucoup. Du coup, il y a 150ml et ça coûtait 1,99€. Franchement, c'est vraiment pas cher, donc on verra ce que j'en pense. N'hésitez pas à aller encore me suivre sur Instagram pour que je vous partage mon avis. Et du coup, le shampoing, je vous ai pas dit, il fait 520ml. 520ml pour 1,99€, c'est vraiment pas cher. C'est donné limite. Voilà. Ensuite, chez Action, il y a la marque Soso. Donc, enfin, c'est leur marque, mais c'est une nouvelle gamme. Donc, Make-up for Rebelle est marqué. Et du coup, j'ai décidé de prendre ce mascara. J'ai vu qu'il y avait plein de produits de cette gamme-là, mais je voulais d'abord tester le mascara. Et il m'a coûté seulement 95 centimes, donc c'est vraiment parfait. Voilà, donc je suis contente. J'aime bien changer de temps en temps de mascara. Voilà. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez vu que j'en ai acheté de la marque Lancôme. Et je sais plus quelle autre marque. Lancôme, enfin j'ai pris deux bonnes marques en gros. Et j'aime bien toujours en acheter, voilà. Puisque les bonnes marques, j'aime bien les mettre pour sortir, enfin voilà. Et ça, pour aller en cours ou autre. Donc voilà. Et d'ailleurs, sur Instagram, je partage les bons plans que j'ai. Parce que les mascaras que j'ai achetés de marque, je les ai vraiment pas chers. Je vous ai dit le deuxième nude, le voici. C'est un rimmel, il m'a coûté 1,97€. Donc j'adore. Par exemple avec ce genre de maquillage un peu travaillé, mettre du nude c'est vraiment parfait. Donc c'est pas les mêmes têtes de nude sinon je ne les aurais pas pris, mais j'adore. Et rimmel, il y en avait déjà deux que j'avais acheté chez Action. Et vraiment je les aime beaucoup. D'ailleurs il y en avait un qui était par là. Non, mais il est plus par là. Mais franchement ils sont super bien. Donc c'est pour ça que je me suis repris. Voilà.
Et ensuite, le dernier article de chez Action, c'est un bourgeois qui lui coûte beaucoup plus cher. Il coûte 2,95€, mais c'est quand même un bourgeois. Et les bourgeois, je crois que je ne l'avais pas encore acheté. Et la tête me tentait bien, genre c'est un petit rouge, mais qui tire sur le rose. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, la caméra, il ressort rouge. Mais voilà, c'est la teinte 17. Et sur celui-là, c'est la teinte 720. Voilà, pour ceux qui veulent l'acheter. Il y a 18 millilitres. Et là, ils disent qu'il y en a 30. Ça me paraît bizarre qu'il y a autant d'écart entre les deux. Mais bon. Du coup, comme vous l'aurez compris, on a fini pour Action. Voilà. Vous aurez vu, j'ai pris beaucoup de make-up et de produits beauté. J'ai pas vraiment pris autre chose. Donc, désolé, c'est. Vous allez voir un peu de tout, genre produits ménagers, j'ai pas pris, produits déco non plus, nourriture non plus, voilà. Du coup, on va passer à la suite. Du coup, je vais poursuivre par Sephora. Donc, Max Pop Sephora. Voilà, j'ai acheté deux produits tout simplement parce que j'avais une carte cadeau de 40 euros depuis Noël et que j'avais toujours pas utilisé. Donc voilà, je suis allée voir et j'ai craqué et ça m'a coûté en tout 48 euros. Voilà, donc je vais commencer en tout cas. C'est les deux choses que j'ai achetées, ce sont la marque Fenty Beauty. Donc voilà, by Rihanna, bien évidemment, ceux qui savent pas. Donc j'ai tout d'abord pris un rouge à lèvres, la teinte Une Biche Tonne. Voilà, je parle pas très bien anglais. Et je parle pas du tout bien anglais. Et du coup, c'est un Fenty Beauty. Je l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, j'arrive pas vraiment à parler, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Un nude aussi, un troisième nude, j'adore. Et il est super beau vraiment. J'ai pas envie de vous le swatcher parce que j'ai pas envie de gâcher du produit. Parce que ça coûte 18 euros donc c'est très cher. Donc voilà, mais encore une fois, la meuf qui insiste. Allez-y! Non mais allez, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram parce que je poste régulièrement des photos. Et du coup, vous pourrez voir cette teinte portée du coup. 23 euros, je me suis pris un petit coffret que je remets un verre dans la boîte, mais c'est pas grave. Comme ceci, donc il y a un highlighter et un gloss parce que j'adore les gloss. De base, mon copain m'a offert cette carte cadeau pour que je m'achète, vous savez, le coffret des 5 Fenty Beauty gloss, mais c'est disponible et ça depuis janvier, c'est disponible partout donc je suis un peu dégoûtée. Ça a vraiment fait un carton à Noël et donc voilà. Mais j'ai vu ce lot de gloss et d'highlighter. Et l'highlighter, je le trouve super beau. Je vais encore une fois pas vous les swatcher. Mais l'highlighter, en fait, il fait pas de gros traces. Il va venir juste ajouter quelques paillettes. Et je trouve ça tellement beau. Et ben, ce gloss, il est vraiment beau. Il est rose nacré. J'adore. Et du coup, ça m'a coûté 23 euros. Du coup, l'highlighter, c'est une miniature. Donc, il y a 2,8 grammes. Et le gloss bombe, il y a marqué gloss bombe. Il coûte pas. Et il fait 5,5 ml, donc c'est une taille normale, basique, on va dire, qui vend de chez Sephora et chez la marque, tout simplement. Voilà, par contre, je trouve ça un peu chiant, entre guillemets, que la marque Sephora ne mette pas d'échantillons. Quand on commande sur internet, on a toujours des échantillons, on en a 3. Et quand on vend en boutique, ben, on ne donne rien du tout. Enfin. Je trouve ça bizarre, donc c'est un peu chiant, mais voilà. Passons. On va passer au prochain. Elle est à Kiabi parce que j'avais besoin de shorts. Du coup, j'en ai trouvé 3. J'ai craqué. Voilà. Je m'habille en grande taille, donc il n'y avait que 5 shorts disponibles. Voilà. Si j'avais le budget, j'aurais pris les 5 parce que franchement, trop beau. Les deux autres, c'était trop beau, mais c'était une matière pas très élastique. Et comme on ne pouvait pas essayer, niveau taille, je ne savais pas quoi prendre. Donc j'ai préféré ne pas les acheter tout simplement. Du coup voilà, j'ai mon chica la même, mais ça sert à rien parce que les 3 shorts m'ont fait 12 euros. Il y en a un qui de base était à 18 et passé à 12. Ouais, il est passé. Et c'était marqué sur l'étiquette qui était en promotion, il était à 12 au lieu de 18. Du coup, les 3 je les ai eu à 12. Donc c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher, non, enfin je suis contente parce que je voulais pas mettre non plus trop d'argent. Du coup je vais vous montrer
Bon, je vais pas vous le montrer porter. Je les ai mis en machine à laver, ça y est. Ils sont propres. Parce que voilà, avec le corona et tout, si les gens y touchent et tout, je les ai direct mis en machine à rentrant. C'est pour ça que j'ai pas fait le haul hier. Je vous le montre qu'aujourd'hui. Donc, voilà, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, il y a des petits traits noirs sur les poches. Tout le long d'ailleurs. Je sais pas si vous verrez bien. Il y a des grandes poches. C'est ça que j'adore chez les shorts. Si j'ai des shorts sans poche, c'est pas possible parce que pour travailler, j'ai besoin de poches pour avoir mes clés tout le temps sur moi. Enfin voilà, je vais pas vous expliquer mon travail, mais j'ai besoin de poches. Donc voilà, et un petit cordon. Et j'adore, c'était imprimé à carreaux noir et blanc. Donc j'ai craqué ça avec un haut blanc, ça peut être sympa. D'ailleurs, avec n'importe quel haut, je pense que ça pourrait aller. Enfin, niveau couleur, je veux dire. Ensuite, un haut, surtout pour mettre un haut blanc ou noir. Donc ce petit short, j'ai craqué. C'est celui-là qui était à 18, qui passe à 12. Sinon, les deux autres, c'était à 12. Donc voilà. Il est hyper grand, j'adore. Il est hyper grand, non? Ben oui. Bref, il est hyper haut, taille haute, je veux dire plutôt. Il y a des boutons que j'adore. Ça rajoute un style. Et bien évidemment, toujours les poches. Et voilà, derrière, il est basique. Enfin, il n'y a pas de poche derrière, arrière, rien. Et du coup, le troisième, pareil, celui-là, c'est mon préféré. Je vous avoue, j'adore mettre de la couleur en été. Donc, c'est vrai que le orange peut paraître flash pour certaines personnes. Mais franchement, moi, j'adore. Et du coup, le rouge, comme ça, avec les fleurs, on dirait des marguerites. On dirait que c'est des marguerites. Et j'adore les marguerites. Du coup, voilà. Et pareil, toujours cette petite bande sympathique sur le côté noir. Et je pense qu'elle ressort plus sur ce pantalon que sur l'autre. Voilà. Et avec le petit lassage ici, la matière est très sympathique. C'est la même matière que avec le tissu en gros. En gros, pourquoi je dis en gros? Non mais oh, voilà. Du coup, je suis trop contente. Et je vais d'ailleurs en mettre un aujourd'hui pour aller travailler. La dernière partie, ça va être du Jennifer. Du Jennifer, ouais. Ça va de chez Jennifer. Donc, Océane, je t'invite à quitter la vidéo et je te fais de gros bisous. Donc voilà, j'ai acheté 3 hauts, mais j'ai craqué sur Jennifer. Il y avait plein de hauts violets. Et il faut savoir que chez Jennifer, je pense que voilà, vous le savez, mais je vous le redis. Le troisième t-shirt est à 1€, donc c'est vraiment cool. Du coup, j'avais acheté un pour ma demi-sœur, vu que c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et comme il y a eu le confinement et tout, que je ne suis pas allée faire les boutiques, j'ai rien pu lui acheter. Et deux pour Océane. Et les trois, vous verrez, sont de la couleur violette. Voilà. Donc, celui pour ma demi-sœur m'est revenu à 1€ parce que c'était le moins cher. Voilà. Du coup, j'ai pris son signe astrologique, c'était Taureau. Voilà, il est violet. Par contre, je trouve ça dommage que pour chaque signe, il y avait une couleur différente. En gros, tu es obligé de prendre la couleur de ton signe. Voilà, du coup, là, c'était pour Taureau, c'était violet. Bon, je vais pas me plaindre parce que j'adore ce violet. Mais ben, je trouve ça nul qu'on puisse pas choisir la couleur, en gros. Les autres, c'était des basiques noir, blanc, gris et rose clair. Et il y avait lui violet. Donc, je trouve ça un peu... nul qu'on puisse pas choisir nous-mêmes la couleur et faire de chaque couleur ben, tous les signes astrologiques en gros. Voilà, de base il coûtait 5,99€ et je l'ai eu à 1€ du coup. Océane, si t'es toujours là, barre-toi, merci. Du coup, le deuxième haut qui coûte 7,99€, donc il m'a vraiment coûté 7,99€ du coup, c'est un crop top comme ça. Et en gros, ben, j'aime beaucoup genre les effets blancs, vous voyez. Voilà, et les trucs un peu astro, un peu comme ça, soleil, lune, c'est grave à la mode. Et du coup, je pense qu'elle va grave kiffer. Voilà, et je l'ai pris en violet, en plusieurs couleurs, mais je vous dis, j'ai craqué sur le violet. Donc, ben voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et troisième haut, du coup, toujours de la marque Jennifer. Il m'a coûté 7,99€ aussi. J'ai bien aimé, je pense qu'elle va aimer parce que ce genre de matière elle aime beaucoup. Et voilà, c'est sa soeur qui m'a conseillé parce que j'étais avec sa soeur. Du coup, des rayures noires et blanches. Elle est toujours violet, un peu comme ça sur les manches et en bas aussi. Voilà, donc c'est pas très très cher tout ça. Et puis voilà.
on a terminé la vidéo. Désolée, elle était super longue, je suis désolée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et à activer la cloche pour rien rater de mes vidéos parce que je vais essayer d'en sortir plein. Voilà. Parce que j'ai plein d'idées, mais il faut que je les mette en forme. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous fais plein de bisous.